Quelqu'un dit un bon amen. Tout à l'heure, quand le pasteur Josh a dit « Saluez-vous », j'ai vu qu'il y en a qui saluaient deux personnes. Maintenant, prends le temps de saluer cinq personnes, parce que cinq, c'est le chiffre de la grâce. Salue cinq personnes que tu n'as pas saluées tout à l'heure. Va un peu plus loin si tu veux. Bon, en tout cas, tourne-toi même, étends ta main, étire un peu ta main, étire un peu tes pieds. Prends le temps de saluer ton frère. Nous sommes dans sa magnifique présence. Voilà, pour les soeurs, vous pouvez vous faire des bises, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Pour les frères, calmez les bises, il n'y a pas de bises entre frères et sœurs ici, vous vous calmez. Voilà. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Il a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons au palais de gloire. 2019. D'accroissement, d'expansion par le... Dis-le encore plus fort avec plus de conviction et que le diable t'entende. 2019. D'accroissement et d'expansion par le 2019 pour toi, mon année d'accroissement et d'expansion par le une dernière fois. 2019, mon année d'accroissement et d'expansion par le diable va échouer dans ta vie cette année. Il y a du pouvoir dans les paroles que tu dis régulièrement. Il y a le pouvoir dans les paroles que tu proclames régulièrement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Ta vie sera faite par ta parole. Ne te tais jamais. Ne t'arrête jamais de parler. Quelle que soit la manière dont tu t'es levé, parle. Dis aujourd'hui c'est le jour que tu as fait. Je vais me réjouir. C'est un bon jour. Aujourd'hui je ne mourrai pas. Jamais. 2019, c'est mon année d'accroissement. Autrement dit, finis la stagnation. Cette année me verra monter. Cette année te verra augmenter. Cette année! Si tu as compris de quoi je parle, dis amen. Ne t'inquiète pas. Cette année, ça ne sera pas comme les années d'avant. C'est ton année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Par qui? Qui? Acclame l'Esprit de Dieu. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni l'intelligence, ni les diplômes, ni les relations humaines, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel. Est-ce que tu es en train d'honorer le glorieux Saint-Esprit, le faiseur des choses, le coordonnateur de l'activité céleste? Oh, le glorieux Saint-Esprit. Tout dans le royaume se fait par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Dis amen! Jésus est présent par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et l'Esprit de Jésus-Christ. Quand on dit Jésus, l'Esprit de Dieu est là. Et il est venu habiter en toi. Regarde à quel point tu es privilégié. Si tu es né de nouveau, il est venu habiter en toi. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un petit monsieur, une petite femme, jamais. Dieu n'investit que là où il y a de la valeur. D'ailleurs, les grands investisseurs investissent toujours là où il y a de la... Tu es important. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un amen pour toi-même. C'est ton année d'accroissement et d'expansion. Mais pas par tes diplômes, pas par tes connaissances, pas par tes connexions, pas par tes parents. Mais par le glorieux Saint-Esprit. Oh, béni soit le Saint-Esprit. Hosanna au Saint-Esprit. Béni soit celui qui a été envoyé par le Père et par Jésus glorifié. Béni soit le glorieux Saint-Esprit. En l'honneur de l'Esprit de Jésus, fais entendre un bon amen. Le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. C'est-à-dire, c'est lui qui manifeste la présence glorieuse de Dieu. Et cette année, il a dit qu'il va intensifier sa présence. Depuis janvier, il a commencé, ce n'est pas encore terminé. Ce mois-ci, tu vas aller de gloire en... Selon qu'il est écrit, dans son palais, tout s'écrit. Dis-le à ceux qui ne savent pas la parole. Dans son palais, c'est-à-dire toi-même, tout s'écrit. Gloire. Cette semaine, la gloire de Dieu remplira ce temple.
Elle augmentera dans ce palais. Elle augmentera en toi. Et ça se passera cette semaine. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Mais tu es en train de parler de ton histoire. Tu parles de ta vie. Tu parles de ton avenir. Tu parles de tes projets. Tu parles de tes affaires, de ton intelligence. Oh, béni soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Gloire à Jésus, le Messie. Gloire à Jésus, le ressuscité. Merci, Esprit du Seigneur. Nous honorons ta présence. Nous te reconnaissons. C'est toi qui fais les œuvres du Père et de Jésus en nous et avec nous. AICC, l'Esprit de Jésus est honoré. Jésus est glorifié. Le Père est adoré. Dis un bon Amen. Voilà, cette année, c'est ton année d'accroissement. Donc ça dit, tu ne mourras pas cette année. Ceux qui voulaient te faire mourir, ils ont deux options. Soit ils se repentent, soit ils meurent à ta place. Personne qui entend le son de ma voix et qui croit dans ces paroles prophétiques ne partira avant son heure. Jamais. Tes enfants ne partiront pas avant leur programme détaillé par Dieu. Depuis qu'on a commencé à donner les témoignages cette semaine, il y a un frère qui a témoigné. Il a envoyé un témoignage pour dire que son enfant était très malade. L'enfant avec une forte fièvre et s'est réveillé la nuit en tremblant. Mais il s'est rappelé de la parole que le pasteur avait dit. Il avait dit que tes enfants ne mourront pas, ni toi ni tes enfants. Il a dit, j'ai dit à mon enfant, j'ai dit à Dieu, Dieu, ton serviteur a dit que mes enfants ne mourront pas, moi non plus. Alors je proclame que mon enfant soit guéri. L'enfant a été guéri à l'instant où il a parlé. Attention, hein, il n'est pas pasteur. Hein. C'est la parole prophétique, c'est ton année. Et le mois de mars, c'est ton mois. Dis Amen si c'est à toi que je suis en train de parler. Acclame le glorieux Jésus, le glorieux Père et le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Béni soit Dieu qui fait ses œuvres en nous. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Maintenant, nous allons passer à sa parole et vous asseoir dans sa présence. Que ceux qui l'aiment en s'asseyant me disent encore Amen. Ah non, je ne parlais pas à tout le monde. J'ai dit que ceux qui l'aiment. Donc, toi, voisin, tu peux te taire. Moi, je dis à ceux qui l'aiment, qui disent Amen. Voilà. Non, on n'oblige personne. Hein, on n'oblige personne. Hein. On n'oblige personne. Non, non, non. Il faut être détendu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans le palais de gloire. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Ta vie s'écrira gloire. Il y a une soeur qui a écrit d'Italie. Elle a commencé à suivre l'équipe depuis 4 semaines. Elle dit, je vous ai trouvé comme ça sur Internet. Et depuis que j'ai commencé, ma vie a toujours été dépression, tristesse, angoisse. Elle n'a même pas dit c'est ça, mais elle est connectée sur Internet. Ma vie n'était que tristesse, angoisse, dépression. Je ne sais même pas pourquoi, mais toujours tristesse, dépression, angoisse, malheur. Elle dit, depuis 4 semaines, je crois, je suis en train d'écouter vos messages. Et depuis, je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive. Je ne peux pas expliquer. C'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Les œuvres de Dieu, là, on ne peut pas les expliquer. On ne peut que les voir. Elle dit, mais je ne comprends pas. Je suis maintenant toujours plein de joie, plein de vie. Elle dit, je me sens réveillé. Elle dit, je suis comme quelqu'un qui était mort, qui est revenu à la vie. C'est le pouvoir de la parole. C'est la puissance de la parole. Elle entend, elle croit, la parole guérit. Dis Amen. Ça sera toi aussi ton partage. Toutes les formes d'angoisse, de tristesse dans le palais de gloire sont détruites au nom de Jésus. Et cette semaine, c'est ta semaine de joie débordante, de joie abondante. Dis un bon Amen. La joie ne dépend pas de l'argent ou des circonstances. La joie vient du cœur, elle vient de la présence même de Dieu. Nous sommes en train de parler, de toujours parler de comment faire pour honorer ou encore pour accueillir le majestueux, le glorieux Saint-Esprit. Afin que non seulement il nous visite, il nous réveille, mais qu'il demeure avec nous et au milieu de nous. Et nous sommes reconnaissants pour les œuvres que le Père est en train de faire par le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour les œuvres que Jésus, le Christ, est en train d'accomplir par son Saint-Esprit. Oh, je pensais que tu allais me dire Amen. Quand nous sommes reconnaissants, il faut toujours dire Amen. Nous avons vu le 7e point, qu'une des manières
une des manières d'honorer la présence de Dieu qui vient habiter en nous. On appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la présence même de Dieu. Une des manières de l'accueillir, de l'honorer, de l'apprécier, c'est de le servir. C'est de servir le Christ, c'est de servir Dieu, de le servir comme Marie et Marthe le servaient. On a vu que servir Dieu, la meilleure manière de servir Dieu, c'est de le servir comme Marie et Marthe, ou encore Marthe et Marie. Marthe le servait dans son humanité et Marie le servait dans sa divinité. Marie prenait le temps de l'honorer, de l'apprécier, de le célébrer, de le bénir, de le louer, de l'aimer, de lui exprimer de l'adoration. Dis avec moi l'adoration. Béni soit Dieu qui nous a inspiré le programme de l'atmosphère de gloire du vendredi de 14h à 20h. Juste adorer Dieu, célébrer Dieu, bénir Dieu, apprécier Dieu. Quelle grâce, waouh, béni soit Dieu. Et Marthe le servait dans son humanité. Nous avons vu que c'est ce que l'église d'Antioche faisait. L'église d'Antioche, acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils rendaient un culte au Seigneur et ils jeûnaient. Donc servir le Seigneur veut dire rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu veut dire se tenir dans la présence de Dieu, l'adorer. Mes mains s'élèvent pour te louer. Pas pour dire, Seigneur, aide-moi. Non, je pense à toi pour t'adorer. Oh Jésus, tu es digne, tu es digne. C'est-à-dire, tu passes ton temps à dire, tu es digne, je t'aime, je te bénis, je te célèbre, je t'adore, je te loue, je t'exalte, je te magnifie. Béni sois-tu, je t'embrasse, papa, je t'aime, Jésus. C'est ça là, tu es en train de rendre un culte à Dieu. N'oublie pas, nous avons un Dieu à adorer. La première chose, c'est d'abord adorer Dieu. Oh. Vraiment, je prie que cette église soit une église de gens enflammés pour Dieu, embrasés pour Dieu. Dis Amen. On a un Dieu à adorer et on a un monde à gagner pour Christ. Il y a un Dieu à adorer et il y a un monde à gagner pour Dieu. Servir le Christ dans son humanité, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est maintenant, allez! Il est écrit dans acte 13. Ah, quand il a dit le Saint-Esprit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il est écrit au verset 3. Alors, ayant jeûné, il y a un temps pour jeûner. Ayant prié, il y a un temps pour prier. En leur ayant imposé les mains, dit Amen. Ils les laissèrent aller. Il faut aller sur le terrain. On adore Dieu, on célèbre Dieu, on bénit Dieu. On est là avec Dieu dans sa présence, on est heureux. Mais on ne veut pas une chose, il y a des perdus dehors, il y a un monde à sauver, il y a un monde à conquérir, il y a des âmes, il y a des brebis perdues qu'il faut ramener. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver les âmes qui sont perdues. Donc la vie, ce n'est pas que toi, ce n'est pas qu'adorer Dieu seulement. Dis Amen. Mais c'est adorer Dieu, célébrer Dieu. Ça, c'est le servir dans sa divinité. Maintenant, apprendre à le servir dans son humanité. Parce que lui, il est descendu de son trône de gloire pour aller sauver tous les hommes. Il a versé son sang pour que tous les hommes soient sauvés. Pas seulement toi, mais les autres après toi. Dis Amen. Voilà pourquoi il a dit. Il a dit dans Matthieu 28, on l'a vu la semaine dernière, et je dois revenir dessus. Pourquoi? Ah, ça c'est un des thèmes les plus importants. Tout est important, mais ça c'est très important. Tant que tu n'as pas compris ça, mon ami, tu ne comprendras pas l'importance de servir Dieu dans l'humanité, dans son humanité. Dieu veut que le monde soit gagné par lui. Dieu est esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Et quand il vient habiter en toi, tu deviens maintenant ses yeux, tu deviens ses mains, tu deviens sa bouche, tu deviens ses pieds. Oh, qui sont biais, qui sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Dieu doit marcher sur la terre, comme Jésus a marché sur la terre, rempli du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit de Jésus veut maintenant marcher en toi, aller de lieu en lieu, aller dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Pas des chrétiens, des disciples. Pas des chrétiens, des disciples. Il faut qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit sont révélés par le nom de Jésus le Christ. Celui qui me suit me dit Amen. Servir Dieu, on a vu la semaine dernière, dans son humanité, c'est aller témoigner Christ. Aller gagner le monde. Et aller enseigner le monde. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Les gens ont besoin d'entendre la parole, de comprendre la parole. Et la semaine dernière, Dieu nous a dit, ce n'est pas le pasteur seul qui a cette responsabilité. Tu as cette responsabilité de partager ce que tu as reçu. Trouve quelqu'un, partage. Dis-moi un bon Amen.
trouve quelqu'un et partage ce que tu as entendu. Est-ce que cette semaine tu as trouvé quelqu'un? Va déverser sur quelqu'un. Je n'ai pas envie de t'écouter. Tu vas m'écouter. J'étais à l'église, on nous a enseigné ça. Ah bon, il a dit ça. Le type là, mon frère, il faut seulement venir. Dis amen. Un, allez, dis avec moi, allez. Il faut aller. Il sait si on doit aller. Jour après jour, il faut aller. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille. Jésus a fini le travail. Il a terminé son travail. Le 40e jour après la résurrection, il est monté. Et pendant 40 jours après la résurrection, il parlait toujours de l'importance du royaume. Et les dernières paroles de Jésus sont dans Acte 1, verset 8. Il a dit, vous allez recevoir une puissance, celle de la personne du Saint-Esprit. Et quand il va venir, il va vous rendre capable de continuer le travail que j'ai commencé. Il y a un monde à gagner. Jour après jour, les âmes se perdent. Satan détruit des vies jour après jour. Dieu veut les reconstruire. Dieu veut les sauver. Et Dieu cherche un corps. Dieu cherche une personne. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle encore à quelqu'un ce matin? Il faut aller et puis il faut les enseigner. Il faut les instruire dans les voies de Dieu. Il faut les instruire dans les voies de Dieu, à marcher avec Dieu, à s'attacher à Dieu, à aimer Dieu, à connaître Dieu. Marc 16, verset 15, il a dit, même chose encore, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il faut aller témoigner Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les gens vont croire quand on va parler. Certains croiront, d'autres ne croiront pas. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croira, pas tout le monde, mais celui qui croira, il sera sauvé. Waouh, il sera sauvé par toi. Oh, dis amen. Il sera sauvé par toi, il sera baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 20, il est écrit, et ils s'en allèrent prêcher partout. ICC Brazzaville, année 2019, c'est l'année où on va prêcher partout, dans tous les sens, en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou pas. Tu prêcheras l'évangile, tu témoigneras Christ. Parfois, ce n'est pas les grands discours, hein. Ce n'est pas aller raconter la Bible par cœur. Aller témoigner ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. Moi, je ne connais pas Jésus. Il est le sauveur du monde. Sa mort sur la croix est un sacrifice. Il n'y a pas de plus grand sacrifice. Les gens se battent en faisant toutes sortes de sacrifices. On sacrifie les animaux, les moutons, les chèvres, on sacrifie tout, même les humains, pour avoir le pouvoir, pour avoir les honneurs, pour avoir l'élévation, pour avoir les mariages, pour avoir... Les gens font des pactes sataniques. Mais non, Dieu a dit, il y a un seul sacrifice qui est nécessaire pour que les hommes possèdent tout. Tu veux tout avoir, crois au sacrifice que Dieu a rendu, que Dieu a offert. Dieu a immolé, Dieu a crucifié, Dieu a fait verser le sang de son propre fils pour que tous les hommes soient sauvés. Veux-tu être guéri? Les docteurs peuvent apporter des soins, mais mon ami, Jésus lui guérit et il fait disparaître les traces. Il y a des choses que seul le sang de Jésus peut faire. Il faut dire aux gens, il faut dire aux gens du monde entier que Jésus est vraiment la réponse à tous les problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais pourquoi les chrétiens souffrent autant? Parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont jamais entendu parler de ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Donc ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Si une bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle, alors elle doit changer ma vie. Elle doit changer mon sort. Mais beaucoup ne connaissent pas la bonne nouvelle. Ils connaissent les bishops, les pasteurs, les prophètes, mais ils ne connaissent pas l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, le message que moi aussi j'ai reçu de la part du Seigneur. Je vous rappelle, frère, le message que j'ai reçu de Dieu. Christ, pas le pasteur, Christ, pas la mère de Christ, Christ, pas les anges, Christ, Dieu incarné dans un corps de terre, donnant son sang pour sauver les hommes. C'est ridicule, mais c'est la vérité. Dieu est devenu homme, 100% homme, 100% Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Je ne crois pas. Ignorant. Il est le Dieu fait homme. Il est descendu du ciel. Son but, c'était de donner le sang afin que tu sois pardonné. Tu ne seras pas pardonné de tes péchés tant que tu ne reconnais pas que lui, le Christ, est la réponse à tous tes problèmes. Et la première chose qui vient régler, c'est d'abord le péché. Jésus est le Christ. Gloire à Jésus de Nazareth. Christ, 1 Corinthiens 15, 3, Christ est mort pour nos péchés. Or, le péché, c'est la racine de tous les problèmes.
Et quand on enlève la racine, alors tout ce qui était associé à la racine doit disparaître. Voilà pourquoi les péchés sont pardonnés. Maintenant, tu as le droit de dire, bon, mes péchés ont été pardonnés. Maintenant, je commande. Malédiction générationnelle, intergalactique. Je brise votre pouvoir sur ma vie. Par le sang de Jésus. C'est là que tu as le droit maintenant de parler. Oh, mais celui qui me suit dit amen. Oh. Christ est mort pour mes péchés. Quand je dis ça moi-même, je frémis. Je dis, Satan, trop tard. Il ne fallait pas que le sang de Christ soit versé pour moi. Mais il a pris ma place. Christ est mort pour moi. Pour que la pauvreté ne soit plus jamais mon partage. Que la misère ne me touche pas. Quel est ce diable qui a le pouvoir de me tourmenter? Christ est mort pour moi. Il était tourmenté pour que moi je ne sois plus jamais tourmenté. Christ est la réponse. Mais les gens ne le savent pas. Allez leur dire que Jésus le Christ, pas ICC, pas le pasteur Castanou, jamais, mais Jésus le Christ est la réponse au problème du Congo, au problème de l'Afrique, au problème du monde entier. C'est le Christ et c'est le Christ. Il est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Et le 40e jour, il est monté dans la gloire. Et 10e jour, le 50e jour, il est revenu, mais maintenant, par le Saint-Esprit. Allez leur dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie dans le royaume. Sans le Saint-Esprit, il n'y a... Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Tu as compris maintenant la bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. Combien de gens ont compris l'Évangile? Ils cessent de devoir sortir à les témoigner. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Ils s'en allèrent prêcher partout. Nous devons aller partout. Et nous irons partout. Personne ne nous empêchera d'aller partout. Nous irons partout pour témoigner Christ. Raconter qui est le Christ. Pour que les gens connaissent la religion, mais ne connaissent pas Christ. Tout est centré seulement sur la personne du Messie. Ni à gauche, ni à droite, seulement lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Tous les êtres, les principautés, les dominations, tous les êtres qui existent ont été créés par le Christ. Tu sais pourquoi? Il est la parole du Père, le Christ. Pas blague avec lui. Hein? Et nous, on nous dit, petit Jésus. Il n'y a pas de petit Jésus. Il n'y a que le grand Christ, le Sauveur. Vraiment que Dieu nous aide. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Amen. Servir Christ, c'est aller. Nous devons être obsédés par le désir de aller. Nous devons être obsédés. Tu dois être obsédé par le salut des âmes. Le salut des âmes doit être ton obsession. Quelle était l'obsession numéro un de Jésus? Accomplir la volonté du Père. Accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Sauvez-les. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Nous devons être obsédés par 1. Le salut des âmes. 2. L'enseignement des âmes. L'exhortation des âmes. Afin qu'elles soient établies dans la foi. Établies dans le royaume de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dit amen. Voilà pourquoi la semaine dernière, il nous a dit, je suis en train de faire des rappels, hein, mais ça c'est un rappel qui est très important. On va pas vite. Il ne faut pas aller vite là-dessus. Jamais. Ça serait une grosse erreur de passer rapidement dessus. Ça, c'est la vie. C'est la base sur laquelle tu seras pesé. Quand tu paraîtras un jour devant Dieu, c'est là. Qu'as-tu fait? Ce n'est pas combien d'argent as-tu donné. Non, d'abord, combien d'âmes as-tu fait rentrer dans le royaume? Par toi, je voulais sauver. Tu ne voulais pas parler. Par toi, je voulais toucher. Tu ne voulais pas. Tu disais, non, je dois aller faire mes voyages d'affaires. Je vais aller à Dubaï. Dans l'avion, je voulais parler à quelqu'un. Je voulais sauver. Le premier travail du Seigneur, c'est de sauver. C'est de faire quoi? Sauver. C'est-à-dire de faire entrer dans le royaume. Est-ce que je peux continuer? Voilà pourquoi Paul nous a dit, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, je reviens là-dessus. Si j'annonce l'évangile, si j'annonce la bonne nouvelle, dis avec moi, si j'annonce l'évangile. Répète encore, si j'annonce l'évangile, si je témoigne de Christ, si je te parle de Jésus-Christ, ce n'est pas pour moi un sujet de fierté.
Ce n'est pas pour dire, ouais, je suis quelqu'un, moi je connais mieux que les autres. Non! La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne dévangélise pas. Je suis né, je deviens sa bouche pour parler. Dieu veut parler, mais il cherche une bouche. Et les bouches se taisent. Non, les bouches doivent parler. Oh, j'ai un peu honte. Tout le monde a honte. J'ai un peu peur. Tout le monde connaît la peur. On dit, je refuse la peur. Je refuse la honte. Je veux parler. Je veux gagner le monde pour Christ. Servir Jésus le Christ, servir Dieu, c'est de parler de sa part. C'est aller. Quitter les zones de confort et puis aller vers les non-atteints. Aller vers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il a dit dans verset 19, toujours 1 Corinthiens 9. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Gagner les âmes, gagner le plus grand nombre d'âmes. Ça doit être ta motivation. Peut-être que tu ne pourras pas gagner 1000, mais tu aurais pu en gagner 100. Et tu t'es arrêté seulement à 2. Pourquoi? Tu dois gagner le maximum d'âmes pour Jésus-Christ. Témoigner. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Non, mais tu peux parler. Tu ne peux pas convaincre, mais tu peux parler. Et quand tu parles, Dieu touche. Personne ici n'a le pouvoir de dire, moi je vais te convaincre, j'ai des bons arguments. Misérable et ignorant. Ça ne marche pas, tu ne peux pas. Seul, il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convainc. Le Saint-Esprit travaille quand tu parles. C'est un travail entre Dieu et ses enfants. Il aurait pu le faire lui-même, mais il a choisi de travailler avec ses enfants. Un peu comme un roi décide de travailler, d'avoir comme collaborateur ses enfants. Quelle grâce! Le roi de gloire, créateur de l'univers, décide de venir habiter en moi et en toi. Et il dit, avec toi et moi, on va faire une équipe gagnant-gagnant. On va gagner le monde, mon fils. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Sans lui, vous ne pouvez rien faire, parce qu'en face, il y a un monde terriblement hostile. Mais avec lui, vous allez faire des grands exploits. Attendez le Saint-Esprit. Mais quand il vient, regarde l'évangile, regarde l'église primitive. Dès qu'il est venu, ils ont commencé à témoigner. On les persécutait, on les frappait, on les intimidait, on les malmenait, on les accusait de tous les maux. Ce n'est pas grave, accusez-nous, on va continuer à témoigner Christ. Accusez ICC, on va continuer à gagner des âmes. Et dans 15-20 ans, on sera 400 000 âmes. 400 000 âmes. Pour un pays de 5 millions, c'est quoi? C'est rien. Après, mais on commence à voir pas 400, on commence à voir petit. Petit à petit. De gloire en gloire. De progrès en progrès. Donc si déjà vous me critiquez aujourd'hui, mais vous allez faire quoi demain alors? Gardez vos cartouches. Vous en aurez besoin pour demain si vous êtes encore en vie. Il faut gagner le Congo à Jésus-Christ. Il est la seule réponse dont le pays a besoin. Il est la seule réponse dont les hommes ont besoin. Si tu as compris cela, donne-moi un amen et je continue. Et je termine au verset 22. Le même Paul, poussé par le Saint-Esprit, il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. On doit gagner toute catégorie de personnes. Dis amen. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et on a dit que ce passage-là veut dire par tous les moyens. Je dois sauver quelqu'un par tous les moyens. Dis amen. Par tous les moyens, il faut annoncer Christ. Si on t'écoute, gloire à Dieu. Si on ne t'écoute pas, gloire à Dieu. Mais il y a toujours quelqu'un qui t'écoutera, tôt ou tard. Toujours quelqu'un qui sera sauvé par toi. Et tu deviens comment? Tu deviens ce qu'on appelle une sage-femme spirituelle. Quelqu'un qui enfante les autres dans le royaume. Parce que tu dois comprendre une chose. Quel est l'enjeu principal? Pourquoi il faut témoigner? Pourquoi Dieu veut qu'on aille témoigner Christ? Pourquoi il faut parler? Il y a une priorité des priorités. Je lui dis, Dieu veut sauver. Ça veut dire quoi, Dieu veut sauver? Dieu veut que les hommes et les femmes du monde entier entrent dans le royaume. Est-ce que tu m'entends? Il y a un royaume des ténèbres et il y a un royaume des cieux. Dieu veut que les hommes entrent dans le royaume. Ils entrent dans son royaume. Jésus-Christ est le roi des royaumes. Il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres, invisible à tes yeux, mais oh combien parfaitement réel. Et le royaume des cieux, invisible aussi à tes yeux, c'est vrai. Mais nous sommes sur la terre. La terre, nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a deux royaumes qui se superposent et les deux sont invisibles. Nous tous, nous naissons dans ce monde comme des pécheurs à cause de la faute d'Adam. Mais pendant que tu es en vie, avant de mourir,
tu faut que tu entres dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, Jésus a eu une conversation avec un docteur de la loi, Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3. Et Jésus a répondu à Nicodème. Nicodème lui dit, ah toi vraiment, tu es un grand homme, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va répondre à Nicodème. En vérité, faites toujours attention quand Jésus dit en vérité. Ça veut dire, là il va t'annoncer un secret, un mystère. En vérité, c'est-à-dire il y a un secret profond que je vais te révéler. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas voir le royaume. Il ne peut pas entrevoir le royaume. Jésus n'a jamais annoncé une religion. Jamais, jamais, jamais il n'a parlé de mot religion. C'est les hommes qui sont venus nous embrouiller avec la religion. Et les religions, et les religions. Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. Repentez-vous, changez votre manière de penser. Je vous emmène le royaume. Le royaume, il y a un roi qui règne dans le royaume. Et quand il parlait aux femmes, il dit, le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable à un grain, à une mesure. Le royaume, il ne parlait que du royaume de Dieu. Et nous, nous parlons que des religions. Il n'a annoncé que le royaume. Dans lui-même, il est le roi. Oh. Il dit, si un homme, l'enjeu principal de l'évangélisation, pourquoi est-ce qu'on évangélise? Pourquoi est-ce qu'on doit témoigner Christ? Pourquoi est-ce qu'on a annoncé Christ? Parce que Christ veut faire entrer les gens dans son royaume. Soit tu es dans le royaume de Christ, soit tu es dans le royaume des ténèbres. Tous les hommes, à cause de la faute de Adam, naissent dans le royaume des ténèbres. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et Dieu veut qu'ils sortent du royaume des ténèbres, qu'ils rentrent dans son royaume. C'est l'enjeu, n'oublie pas. Il faut évangéliser pour les faire rentrer. Pas pour les faire devenir des membres d'église, non. Qu'ils rentrent dans le royaume. Et après, ils deviennent membres d'une famille spirituelle qu'on appelle l'église. Dis-moi amen et je continue. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrevoir le royaume de Dieu. Oh, Nicodème dit, oh, naître de nouveau? Mais moi je suis déjà né, petit. Toi tu as 60 ans, moi j'ai 70. Il dit, oh, mais comment vais-je faire alors? Comment un homme peut-il encore naître quand il est déjà vieux? Tu as vu, il pose une bonne question. Dis amen. Oh, je vais encore naître, moi je suis déjà vieillard, comment je vais encore naître? Et Jésus répond à Nicodème. Il répond encore, il donne encore une autre bombe, comme excuse. Pouh! Nicodème encaisse et dit, aïe! Ça c'est fort ça. Jésus lâche un deuxième missile. Pouh! En vérité, fais attention à ce qu'il va dire. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Tu as vu, l'enjeu c'est de... L'enjeu c'est de... Il faut prêcher l'évangile pour que les hommes entrent. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il y en a qui ont dit, oh, c'est l'eau du baptême. Quelle histoire. On parle de l'eau de la parole. On parle de l'eau de la parole. Parce que quand Dieu veut sauver, deux choses se passent. La parole est envoyée, l'esprit fait naître. La parole est envoyée, le Saint-Esprit agit. La parole est libérée, le Saint-Esprit sauve. Jésus est toujours présent par le Saint-Esprit. Mais il doit parler. Et quand tu réponds, il te fait rentrer dans le royaume. Ton esprit qui était mort, on te donne un nouvel esprit. Tu deviens un nouvel homme. C'est ça la nouvelle naissance. Celui qui dit, je suis dans le royaume. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Et c'est quoi être né de nouveau? Donc tu n'es pas encore dans le royaume. Tout commence par l'entrée dans le royaume. Comment on y rentre? Il faut être né de nouveau. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dit amen. Il lui dit ensuite, ce qui est chair, ce qui est né de la chair, est chair. C'est-à-dire ce qui est né d'un homme. Écoute ce que Jésus dit. Ce qui est né d'un humain est humain. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec ta naissance paternelle, maternelle, tes oncles, tes tantes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre que le Saint-Esprit fait. C'est le premier des grands miracles. La nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, son esprit est régénéré et recréé. L'esprit qui était pécheur
est totalement changé. Maintenant, tu deviens quelqu'un de totalement nouveau. Le corps ne change pas. L'âme n'a pas changé. J'ai encore les mêmes désirs, les mêmes envies. Mais à l'intérieur de moi, l'homme est un esprit. L'esprit a été recréé. On appelle cela, tu deviens ce qu'on appelle une nouvelle. C'est la première étape, l'enjeu principal, les faire entrer dans le royaume. Gloire soit rendue à Dieu. Pour les 200 et quelques âmes qui sont entrées dans le royaume hier. Hier, par la sortie d'hier, 200 personnes sont entrées dans le royaume. Mais pour entrer dans le royaume, il faut quitter un autre royaume. C'est l'enjeu de la guerre. Les faire entrer dans le royaume. Et le royaume de ténèbres dit, ici, personne ne part. Ils ont perdu 200 personnes hier. Et ils vont se battre pour les ramener en arrière. Ils vont se battre pour les faire repartir. Et Dieu doit se battre pour les faire maintenir. Et Dieu se bat par toi et moi. Dieu se bat par toi et moi. On doit prier pour eux. Afin qu'ils ne soient pas seulement entrés, mais qu'ils vivent maintenant dans le royaume. Qu'ils marchent dans le royaume. Qu'ils s'épanouissent dans le royaume. Qu'ils se multiplient dans le royaume. Qu'ils deviennent des disciples. Pas des chrétiens, mais des disciples. Oh Seigneur, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il dit ne t'étonne pas. Dis avec moi, ne t'étonne pas. Que je t'ai dit, il dit bien, il faut que vous naissiez de nouveau. Qui a dit ça? Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la première étape. Si celle-là tu l'as passée, alors tu es encore dans le royaume des ténèbres. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Ah mais je vais à l'église, ça ne veut rien dire. On peut aller en France tous les jours et ne jamais être français. On peut aller en Amérique et ne jamais être citoyen américain. Il veut faire de toi un citoyen du royaume des cieux. Et ça, ça ne se négocie pas. Le sang a été payé par Jésus pour que toi, tu deviennes un citoyen du royaume. Pas un membre d'église d'abord. D'abord un citoyen du royaume des cieux. Nous n'allons pas chercher les gens. Nous n'allons pas évangéliser pour que tout le monde devienne membre de la famille impactante chrétienne. Non, nous sortons, nous allons évangéliser pour que toutes les personnes évangélisées deviennent des citoyens du royaume des cieux. Maintenant, plus tard, il y en a qui vont être établis dans la famille ICC Brazzaville. D'autres, dans d'autres églises, qu'importe. Mais la priorité pour Dieu, elles doivent entrer dans le royaume. Elles doivent quitter le monde des ténèbres et entrer dans le royaume. Elles doivent entrer. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Tu entends le mot? Il faut. Il ne dit pas, il se pourrait que. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? C'est la première étape. C'est ça qu'on appelle être sauvé. Je suis entré dans le royaume. Maintenant, je dois vivre dans le royaume. Il y a une différence entre naître et puis vivre. Il y en a qui naissent, mais qui ne vivent jamais. Toujours sur assistance respiratoire. Il est malade. Non. Tout enfant naît pour vivre. Pour commencer à grandir. S'épanouir. Dis amen. La volonté de Dieu, un, on est dans le royaume. Deux, on vit dans le royaume. On est sur la terre, hein? On est dans le royaume de Dieu. Donc quand on vit sur la terre, on se moque du monde des ténèbres. Le démon peut être là et là. Je suis intouchable. On n'est pas dans la même sphère. Moi, je suis dans une sphère différente. J'appartiens à un autre royaume. Voilà pourquoi ce n'est pas dramatique si quelqu'un me dit, ah, il y a des démons, il y a des démons, il y a des démons. Oui. Eux, ils savent que je suis là. Ils savent que je ne suis pas de leur. Ils savent que j'ai échappé à leur royaume. On appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Par contre, s'il me touche, il touche les gens de mon église, je vais les chasser. Allez, toi, sors, sors, sors. Ce n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le royaume de Dieu, on vit sur la terre, mais on est des dieux sur terre. Parce que le Dieu de gloire habite en nous. Et il a fait de nous des dieux. Pourquoi? C'est sa présence en nous qui fait de nous des dieux. Et le diable sait. Mais est-ce que toi tu es conscient? Voilà pourquoi ce n'est pas un problème. Un jour quelqu'un était là pour me dire, j'étais au bureau, quelqu'un me dit, ah! Elle voyait, elle avait le division, elle me dit, j'ai vu passer un gros serpent devant votre bureau. Il dit, un gros quoi? Serpent? Lui et moi on sait qu'il n'a aucun droit sur moi. Par contre, moi j'ai tous les droits sur lui. Qui dégage de mon bureau? Voilà pourquoi il a dit, tout lieu que fout la plante de tes pieds, je te le donne.
quand on marche dans le royaume, si je vais quelque part, voilà pourquoi David a dit, si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est-à-dire là où il y a la mort, serpent, le fantôme, attends, je suis là. Dieu est rentré dans la place. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen pour toi-même. Oh. La conscience du royaume. Ma soeur, quand tu marches, le royaume se déplace. Quand l'ambassadeur de France est au Congo, c'est la France qui est au Congo, c'est le président français qui est au Congo. Pourquoi? Il représente un pays tout entier. La force du pays l'accompagne, c'est un ambassadeur. Bon, il y a des ambassadeurs de certains pays dont on ne parlera pas qui galèrent. Mais les vrais pays, ça ne galère pas. Il y a toute la provision, il y a toute la logistique, il y a tout le soutien, les forces militaires accomplissent. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Quand je suis mandaté par mon pays et j'obéis aux ordres de mon pays, de mon gouvernement, je marche au Congo en tant qu'ambassadeur américain. L'ambassadeur américain au Congo n'a pas peur des bérets violets, bérets rouges, bérets noirs, bérets tout. Non, il sait qu'il a une immunité diplomatique. Autrement dit, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le stopper. On ne peut pas l'arrêter. Il est immunisé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort te regarde. Pas lui. Lui là, il est. Lui, il est. Prenons les autres. Lui là, il est. Vous êtes la lumière du monde. Ils savent. Ils savent quand ta lumière est en train de briller. Ils disent, eux, c'est les ténèbres. Ils aiment l'obscurité. Quand ils te voient arriver, tu rentres dans la pièce. Zoba. On t'insulte parce qu'ils savent que tu es différent. Ils disent, lui là. Alors, ils veulent te décourager. Ils veulent t'embrouiller. Ils veulent t'intimider. Ils veulent te faire peur. Tu dis, non. La lumière est venue dans les ténèbres. Maintenant, les ténèbres doivent dégager. Dégager et dégager. Je suis Dieu sur terre. Christ habite en moi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dis amen. C'est ça, marcher dans la conscience de la citoyenneté. On n'est pas des chrétiens. On est le citoyen d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Notre roi, il est Alpha et Omega. Sa domination ne passera jamais. On l'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Oh, dis un bon amen pour le roi. C'est une réalité. Notre travail, c'est de faire naître, enfanter des gens dans le royaume. Chaque sortie d'évangélisation, ne dis pas, mais ils viennent pas ICC. Non, le but, c'est pas qu'ils viennent d'abord ICC, c'est qu'ils naissent dans le royaume. À l'hôpital, les femmes accouchent. Un jour, elles auront des maisons où les enfants auront des maisons. Mais la priorité, c'est d'abord, on accouche. Dieu veut les faire entrer. Il veut les faire entrer. Il veut passer par toi pour les faire entrer dans le royaume. C'est l'enjeu principal. Le père veut que sa maison soit remplie d'enfants. Quelqu'un me dit amen. Il faut les faire entrer. Elles se perdent les âmes dehors. Même les méchants sont perdus. Ils ne le savent même pas. Grosse maison, perdue. Grosse voiture, perdue. Boîte de nuit tous les soirs, perdue. Prostituée, perdue. Couche avec tous les hommes, perdue. Couche avec toutes les femmes, perdue. Oh, je vais voyager, perdue. Tu ne connais même pas Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir de l'argent, d'avoir des enfants, d'avoir plusieurs maris, plusieurs femmes, un beau travail, un grand salaire? Ça sert à quoi? S'il perd son âme, s'il perd le salut. La vie d'un homme, c'est quoi? 120 ans? L'éternité, c'est l'éternité. C'est au siècle des siècles. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça sert à quoi? Il faut le leur dire. Celui qui me suit me dit un bon amen. Dieu veut que tous les habitants du Congo naissent dans le royaume. Pas dans la religion. Je suis protestant, je suis catholique, je suis presbytérien, je suis musulman. On s'en moque. Il n'y a qu'un seul royaume. Il y a plusieurs religions, c'est vrai. Mais il y a le royaume de Dieu. Lui, il est incomparable. Religion pour religion, toutes les religions, elles sont pareilles. Et après, ils te disent, mais c'est le même Dieu, non? Ah, on prie le même Dieu, non? Tous les chemins mènent à Rome, c'est faux. Va à Rome d'ici, on va voir où tu vas arriver. Les mots du monde bêtes là, tous les chemins mènent à Rome, c'est faux.
Le même Dieu. Le même Dieu. C'est le même Dieu. Il y a un seul Dieu, le Père. Il y a un seul Seigneur, Jésus le Christ. Il y a un seul Esprit, le Saint-Esprit. Je croyais que tu allais me donner un bon Amen en son honneur. Un seul Dieu, le Père. Mais il y a ce qu'on appelle des faux dieux. Ils sont très nombreux. Leur but, c'est de détourner l'attention de Dieu. Ils ne veulent pas que tu connaisses Dieu. Il faut aller prêcher l'Évangile. Il faut aller prêcher Christ. Ceux qui nous écouteront, ils nous écouteront. Ceux qui nous rejetteront, ils nous rejetteront. Chacun rendra compte pour lui-même. Notre travail à nous, c'est de semer des graines de la bonne nouvelle, l'Évangile. Les gens ont besoin de l'Évangile. Les gens ont besoin du Seigneur. Je vous dis, les frères, les gens ont besoin du Seigneur. Je suis directeur général. À quoi ça sert d'être DG, super DG, PDG, tri-DG? Si tu perds ton salut, si tu n'es pas sauvé, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans nos sociétés traditionnelles, dès que quelqu'un est mort, on fait du bruit, on fait du bruit pendant 10 jours, on fait la veille. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais ça sert à quoi? S'il est mort, sans être entré dans le royaume, il est mort de ce qu'on appelle la seconde mort. Il est mort, il connaît la mort, il va connaître la mort éternelle. Il n'était pas entré dans le royaume. Toute personne doit entrer dans le royaume pendant qu'il est en vie. C'est un choix qu'il faut faire. Et pour ça, il doit entendre l'Évangile. Si quelqu'un me suit, dit Amen. On est dans le royaume, après on doit vivre dans le royaume. Faites attention. Est-ce que tu es dans le royaume? C'est bien. Maintenant, tu dois vivre dans le royaume. C'est pour ça que Jésus a dit, faites attention. Beaucoup sont en train de dire, Seigneur, 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 c'est bien. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, je crois. Il dit, faites attention. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent. Tout le monde dit, oh Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Tout le monde appelle Jésus Seigneur. Tout le monde, hein? Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur. Ah! Beaucoup disent Seigneur, ils ne savent même pas ça veut dire quoi Seigneur. Ça veut dire kurios. Ça veut dire souverain suprême. Maître suprême. Ça veut dire que devant toi, je m'incline. Souverain suprême, c'est-à-dire qu'au-delà de toi, il n'y a personne. C'est toi qui es la primauté, tu es le commandant en chef de ma vie. C'est ça. Hein? Donc tu dis, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Quand tu dis ça, tu es en train de dire, tu es le souverain suprême de ma vie. Mais beaucoup le disent sans comprendre. Seigneur, Seigneur, je plaisantais. Ah bon? Ceux qui me disent, écoute ça. Le Seigneur, ça ne veut rien dire. Ceux qui me disent, donc tout le monde dit Seigneur. Il y en a qui le disent en vérité. Il y en a qui le disent en fausseté. Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, il y a une catégorie de ceux qui vont rentrer dans le royaume. C'est seulement ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Donc tout le monde parle, mais tout le monde ne fait pas la volonté de Dieu. Aller, c'est faire la volonté de Dieu. Prêcher, c'est faire la volonté de Dieu. Bon déjà, toi-même, est-ce que tu le fais? Oh Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Prêche, annonce Christ. Témoigne Christ. Mais toi, tu refuses. Oh, je suis timide. Et tu dis encore, oh, je suis trop coincé. J'ai peur. Seigneur, puis tu pleures. Voici mon cœur. Oh, j'aime cette chanson. Elle est bien quand le pasteur chante. Ta volonté, oh, 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 je veux faire. C'est pas un chant, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'allégeance. C'est une déclaration de foi. On l'exprime par le chant, mais c'est une déclaration. Je veux faire ta volonté. Comme Jésus dans Gethsémané, il transpirait, il souffrait. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Oh, je souffre. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté et ta volonté seule. Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume. Ce sont ceux-là qui vont entrer dans le royaume. Ce n'est pas tous les chanteurs avec les émotions. C'est ceux qui la mettent pratiquement en pratique. Si quelqu'un me suit, dit Amen.
Non, ne perds pas ton sourire, on est ensemble. Dieu envoie sa parole pour endommager ton ignorance et pour changer ton attitude. Quelqu'un me dit Amen. Hein? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc, tous les gens qui disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas tous ceux-là qui vont entrer dans le royaume. Dis-moi Amen. Donc, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mais comme Dieu connaît, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des hommes. Nous, on est là, on écoute, il te dit Ah, Seigneur Jésus, il est mon Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec. Ah, on ne sait pas, hein? On ne sait pas. Mais Jésus a dit hein, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils disent. Ils n'entreront pas dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Mon Père veut que tu ailles évangéliser. Mon Père veut que tu gagnes les âmes. Mon Père veut que tu sauves les vies. Si c'est à toi que je pardonne, amen ici. Par toi, quelqu'un doit être sauvé. Par tes prières, quelqu'un doit être sauvé. Il faut prier pour les autres. Dis amen. Par tes prières, il y a des gens qui sont sauvés. Par tes prières, il y a des gens qui sont guéris. Par tes prières, il y a des gens qui sont enseignés. Tu es en train de faire la volonté de ton Père. Attention, hein, l'entrée dans le royaume, là, c'est un mystère pour tout le monde. C'est un mystère. La garantie que tu vas rentrer, fais la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Il dit plusieurs. Il n'a pas dit un peu. Le mot plusieurs veut dire polus en grec. C'est-à-dire many, beaucoup. Des masses, écoute ça, des masses. La majorité, Paulus veut aussi dire la majorité. Plusieurs me diront en ce jour-là, il te parle du jour où il rendra compte à chacun, où il jugera. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, j'avais prophétisé. Rotoko chaka papa, toi. Il dit oui, j'ai prophétisé. Et alors, d'autres diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Démons, sors au nom de Jésus. Il dit, oui, je t'ai utilisé. C'est vrai. D'autres diront, Seigneur, j'ai fait des miracles en grand nombre, en ton nom. Autrement dit, ils ont prophétisé au nom de Jésus et ça a été exact. Autrement dit, ils ont chassé les démons au nom de Jésus, les démons ont obéi. Autrement dit, ils ont fait des miracles au nom de Jésus et ça s'est produit. Dis Amen. Moi, je suis dirigeant d'entreprise, beaucoup d'employés, mais je ne connais pas tout le monde. Mais ils sont payés et ils ont leur boss. Il dit DG, mais je ne les connais pas. Enfin, je connais son nom, mais il ne mange pas avec moi, il ne dort pas dans ma chambre. C'est ma femme qui dort dans ma chambre. Et moi-même, je dis Amen. Mais attention, regardez ce que Jésus dit. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est-à-dire, vous qui pratiquez, vous qui commettez le mal. Oh, mais moi j'ai prophétisé. En ton nom. Power. Saint-Esprit. Il dit, retire-toi de moi. Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Mais comment tu ne me connais pas? Mais tu m'as utilisé, non? Je suis patron d'une entreprise. Je ne connais pas tout le monde. Mais tout le monde me connaît, moi je ne les connais pas. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous me connaissez, je vous ai utilisé, mais il n'y a pas de relation intime entre vous et moi. Il n'y a rien. Le mot connu là, c'est ginosko. C'est quand on dit, c'est comme quand on a dit Adam connu, ils ont eu des rapports sexuels. On te parle d'une relation intime, d'une relation passionnelle, d'une relation fusionnelle, d'une relation d'amitié, mais d'amitié profonde entre le père et ses enfants. Entre le Christ et ses enfants. C'est de ça qu'on parle. On te dit parce que j'allais à l'église, on te dit est-ce que tu as connu Dieu? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as appris à le connaître? On rentre dans le royaume. Étape d'après, on doit connaître le roi. On doit connaître le roi. On doit apprendre à apprécier le roi. On doit apprendre à honorer le roi. On doit apprendre à célébrer le roi. Jésus le Christ. Il dit je ne te connais pas. Retirez-vous de moi. Frère, cette parole s'accomplira pour beaucoup. Il dit plusieurs, la majorité me diront ce jour-là, tu ne seras pas dans cette catégorie. Pourquoi? Toi, tu dois apprendre à connaître Dieu. Voilà pourquoi notre plus grande priorité. Ce n'est pas que tu connaisses le pasteur Castanou, moi je ne suis rien. Tu connaisses Jésus le Christ. Tu connaisses Dieu le Père, le Christ Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Mais tu ne peux connaître le Père et le Fils que par le Saint-Esprit.
Donc tu dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Donc ce n'est pas l'église. Et regarde, il dit, vous qui pratiquez le mal. Et quand j'étais en train d'étudier, il me dit, j'ai dit quoi? Donc tu veux dire que ceux qui font le mal, c'est ceux qui ne font pas ta volonté? Il dit tout à fait. Tu dis, Donc ne pas faire la volonté de Dieu, c'est faire le mal. Il dit oui. Ah bon? Seigneur, aide-moi. Oh, tu as oublié de dire amen à ça. Dis amen à ça. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est faire le mal. Satan s'acharne pour que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils vont à l'église, mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils ne veulent pas devenir des amis, des intimes de Dieu. Mais ils veulent aller à l'église. Ils veulent chanter des cantiques, mais ils ne veulent pas être embrasés par le cœur de Dieu. Ils ne veulent pas connaître le cœur de Dieu. Ils ne veulent pas plaire à Dieu. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu, bâtir une relation intime avec Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup vont entendre ce genre de choses. Voilà pourquoi je préfère connaître Dieu, quitte à ne pas être utilisé par Dieu, mais connaître Dieu. Ah non, je préfère ça. Parce que Allah va power, 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 tout le monde tombe. L'homme de l'onction, l'homme de la puissance. Mais l'homme là, est-ce qu'il t'a appris à connaître Dieu? Est-ce qu'il t'a appris à aimer Dieu? Est-ce qu'il t'a appris à t'attacher à Dieu? Est-ce qu'il t'a appris à honorer Jésus? Est-ce qu'il t'a appris à honorer le Saint-Esprit? Fais attention, parce que beaucoup attirent l'attention sur eux-mêmes. Ah, le pasteur un tel, quand il lève la main, tout le monde tombe. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce que ce pasteur-là, ce berger-là t'a appris à aimer Dieu? Tu viens ici, tu dois apprendre à aimer Dieu. Je veux te connecter à Jésus. Être un amoureux de Jésus. Un passionné du Saint-Esprit. Un embrasé du Père. Oh, si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. Sinon, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Si c'est pour que tu connaisses le pasteur Castanou, quand il parle, ses faits, j'ai sa voix, tu es aussi perdu que les autres. Je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est... Donc, beaucoup de gens font des bonnes choses pour Dieu, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Il y en a même qui s'appuient sur les dons spirituels. Je connais quelques-uns qui ont tellement de dons spirituels que, comme disent leurs femmes, mon mari utilise beaucoup les dons, mais je ne le vois jamais prier. Une femme qui dit à propos de son mari, c'est un homme de Dieu. Il dit, pasteur, mon mari est un homme de Dieu. Il fait des miracles. Pasteur, il ne prie pas. Je dis, Il dit, pasteur, il ne prie jamais. Il dit, et quand moi je prie dans la chambre, pendant que je suis en train de prier, ça c'est un témoignage authentique. Il y a un grand homme de Dieu, je ne te donnerai jamais le nom. Mais la femme m'a choqué. J'étais avec pasteur Abby. Elle dit, pasteur, il ne prie jamais. Il se lève, il est au téléphone, en train de faire des selfies, des WhatsApp. Il ne prie pas. Et moi, je prie le matin. Il entend, il ouvre la chambre. Où tu as mis mes affaires? Il est en train d'adorer. Je te dis, où tu as mis mes affaires? Il dit, pasteur, il me dérange quand je prie. Un homme de Dieu. Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit misérable. Non, c'est vrai. C'est un comportement misérabilisme. Frère et mon Dieu, connaissons Dieu. Car la vie éternelle, Jean 17, verset 3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Rien n'est plus important que de connaître. Quand je parle de connaître, je parle de connaître dans l'intimité. Être un intime de Dieu. Être un passionné de Dieu. Même si les gens t'injurient, ce n'est pas un problème. Ils ont aussi injurié Jésus. Mais il était un passionné de son Père. Nous devons aimer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons plaire à Dieu. Les amis, c'est l'heure. Parce qu'il y a trop de, superflu. On va à l'église, on cherche les bénédictions, les délivrances et les guérisons. Mais on ne cherche pas Dieu. On doit chercher Dieu. Il faut aimer Dieu. Oh, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. C'est camarade Rebossi. Bari mama si kaba. Ah, faut aimer Dieu, frère. Mande koria basanda baba. Il y a trop de faux semblants. Il faut aimer Dieu. Oh rababa sa mama ataya bare andala ba yaki abaro. Oh Jésus, tu es digne d'être aimé. Bari amando bolejon. Se sont détournés de Dieu au lieu de se concentrer sur Dieu. Ah, c'est un corps diamant, décaré, basse.
Le cœur de Dieu est peiné. Mama, Sia, Manto, Ria, Baba. Les gens cherchent toutes choses. Ils ne veulent pas Dieu. Ils veulent les bénédictions, les mariages, les enfants. Ils ont oublié Dieu. Oh, Randasa, ils ont oublié le Père. Le Père a fait verser le sang de son Fils. Et quand le sang de son Fils a été versé, la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Et maintenant, l'accès à l'intimité de Dieu est devenu possible au moyen du sang de Jésus. Mais nous méprisons le sang de Jésus. Nous méprisons le sang qui a été versé pour permettre aux hommes d'être des intimes de Dieu. Le Père cherche ses enfants, mais les enfants cherchent les choses. Le Père veut se réconcilier avec les enfants, mais les enfants ne veulent pas du Père. Ils veulent seulement la main de Dieu, pas le cœur de Dieu. Oh Dieu, priama, sama, pardonne-nous. Iabare, ondo, sokayaba. Oh riaba, sama, pardonne-nous, papa. Ki pari, baba, siaka. Oh riaba, santele, broto, basa. Ramène-nous, ramène-nous, ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi, shikakata, tele, bros. Saint-Esprit, ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi, ramène, ramène, oh, aie pitié, aie compassion, sors-nous, sors-nous, nevoraima telebrosa, ramène-nous à toi, Esprit du Seigneur, ramène-nous au Père, ramène-nous à Jésus, recentre-nous sur la personne de Christ, ramène-nous à toi, plora kabababasa. Prends quelques instants là où tu es. Demande à Dieu de nous ramener à lui. Il faut que nous revenions sur la personne même de Dieu. Ibari Baba, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de parler à nos cœurs. Arrêtons, arrêtons les faux semblants. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, mais je ne les ai jamais connus. Il faut chercher l'intimité avec Dieu. Il faut chercher Dieu. Pare abosia mama sata. Kilabora ibase. Oh Seigneur. Mon frère, prenons quelques instants. Je ne peux pas parler. Prenons quelques instants. Quelques instants juste pour soupirer devant Dieu. Kendo roboska. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Que koramama sitarama derebe. Et moi. Je suis père du sang en toi. Je veux te dire, et moi, j'ai tant besoin de toi. L'Obramassé, c'est toi que nous voulons. Nous voulons connaître Dieu, et moi. Nous voulons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. J'ai tant besoin de toi. Abba Papa, tu es notre Père. Et moi. C'est Dieu que nous cherchons. C'est Dieu que nous désirons. Nous voulons connaître Dieu. Une église qui connaît Dieu, pas l'homme de Dieu, mais Dieu. Et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Nous te supplions, et moi, papa, ce matin, j'ai besoin de toi. Akura baba simtatura. Seigneur, amène-nous à toi. J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi. Seigneur, je veux te dire, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Tu es Jésus mon Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Je suis désespéré. Abba Papa, j'ai besoin de toi. Tu es mon Père, mon Créateur. Je veux te dire ce matin, j'ai tant besoin de toi. Abba Papa, tu es notre Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton cœur. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Je t'en supplie, Abba Papa. J'ai tant besoin de toi. Rabaya mandele bros. Reba baba si kata raba moseke. Kamasete le kampanyanderebo. Je veux te dire que j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Non, tu es tout pour moi. Tu es tout. Garde-moi près de toi. C'est-à-dire dans ton intimité, tu es tout pour moi. Tu es tout. Amase katora ama aset arabamaka. Sans toi Jésus, je refuse de vivre. Je refuse. Tu es tout pour moi. Garde-moi dans l'intimité. Garde-moi près de toi. Oh, je veux te dire, tu es tout pour moi. Tu es tout, Papa. Tu es tout, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je refuse de vivre sans ton intimité. Sans ton intimité. Tu es tout pour moi. Seigneur, mon Seigneur, garde-moi près de toi. Une dernière fois, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Seigneur et mon Dieu. Sans toi, il n'y a pas de vie. Je refuse de vivre, mon Seigneur. Tu es pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Je veux te connaître. Oh, nous voulons te connaître. Si commandez les bros, garde-nous, fais-nous grâce. Et compassion,
Aie compassion, garde-moi, aide-nous, nous te supplions. Aie compassion, Abba, Papa. Aie compassion, Seigneur, que ta miséricorde parle. Que ta miséricorde agisse ce matin dans ce lieu. Que ta miséricorde soit manifeste. Ô Dieu de miséricorde, ne nous traite pas selon nos fautes, l'attitude, les mauvais penchants de nos cœurs. Nous te supplions, ramène-nous, ramène-nous, ô véritable Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu, à être attaché à Dieu, à être passionné de Jésus par le Saint-Esprit. Garde-moi, garde-moi, nous te supplions, excellent Papa, nous te supplions, nous te supplions, garde-nous. Garde-moi près de toi. Seigneur et Père, nos cariba koma sante kega karoba sayamante les bras. Ria baba si ando lebra no bisa. Raba kanda se la kaya ba re abantore. Ria ba kataria le re babo se kaban. Le la baba si kata kata. Ora baba sa kata baba. Restore. Kale kori antabori abaka. Re baka ya mama te kare bebe. Le Seigneur est en train de rafraîchir plusieurs ce matin. Le Seigneur est en train de déplacer ton centre d'intérêt ce matin. Tu venais pendant longtemps à l'église et tu ne le connaissais même pas. Tu n'avais jamais pris à cœur de vraiment connaître Dieu. Le Seigneur te donne un cœur nouveau aujourd'hui. Un cœur qui a soifé de Dieu. Un cœur qui a soifé de Dieu afin qu'en ce jour-là, tu ne sois pas rejeté. Afin qu'en ce jour-là, tu ne sois pas éloigné. Dieu te touche ce matin. Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Afin que pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps, reviens à lui, reviens à Dieu, cherche à connaître Dieu, cherche à le connaître, cherche à le connaître dans son intimité, cherche à le connaître, non pas de manière superflue, ramake samare kamantele robosa, meche katara baba bare baba, cherche à connaître Dieu, plare kobo si kata. Riba bababo seke tabak. Le rebabo seke. Là où tu es, il veut toucher, t'accorder ce matin un nouveau toucher. Un nouveau toucher. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Si tu veux être touché par Dieu, robobo sakata. Lève tes mains. Pendant quelques secondes, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête là où tu es. Si tu veux être touché par Dieu, je veux compter jusqu'à trois. À trois, tu vas dire touche. À trois, tu vas dire touche. Ça veut dire touche-moi. Et si tu veux être embrasé, tu veux être rafraîchi, tu veux être renouvelé, n'attends pas le jour où il sera trop tard. Mets ta main sur ta tête et là, braco sataka. Rama, Lele, Brosia, Labare, Babo. Je vais compter jusqu'à trois. Braco, Seke, Kavo, Kanto, Ribabak. Un, Reboko, Sika, Ribabak, Kando, Le, Brabo, Se. Deux, Le, Braco, Chaka. À trois, tu vas dire touche. Rikata, Ribababa. Toi qui es connecté dans les salles annexes, à la télévision, sur Internet. À trois, dis touche. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois ribababa. Rikamamba telebra. Libabakanda. Rebabababa. Rikantaka. Rebabababa. Lebando. Eh, rebaba. Recevez. Recevez le toucher de Dieu. Il te repositionne. C'est le toucher pour te repositionner.
se le toucher, te donner un cœur nouveau, un cœur embrasé, un cœur embrasé, un cœur embrasé pour Dieu, l'écho, recato, non pas pour les choses, mais pour Dieu, il paraît l'aussi, l'écama, cet écho. Glorieux Saint-Esprit, Kareba Santako, nous te remercions. Esprit de Jésus, nous t'honorons. Nous apprécions tes œuvres, Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu parles au cœur de plusieurs ce matin et tu nous ramènes. Ma sœur, faut revenir. Tu as trop cherché les hommes. Tu as trop cherché les enfants. Ma sœur, faut revenir. Il faut revenir, il te parle à toi, il faut revenir. Rababo si kataba. Il faut revenir avant qu'il ne soit trop tard et qu'il te dise, je ne te connaissais pas, je ne t'ai pas connu. Reviens maintenant. Mare kamasi, reviens ma sœur. Pari abababa. Mante le broche kaba. Brama seketaba rebababa. Fabienne, kori abababa. Sekabari ababa. Fabienne, le barre bobo si kata. Reviens Fabienne, reviens, reviens. Reviens Fabienne, reviens. Tu t'appelles Fabienne, reviens. Rabababa sakata. Oh, rabababa senda barre. Reviens, reviens Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens, le brabo saka. Ari ababa sekato ri ababa. Ibara yama sete le broko shaka. Robobo sikata, Seigneur Sheshata Korabasa. Siataraba. Ma sete la brabose. Ma tele broko. N'attends pas qu'il soit trop tard. Je ne vous ai jamais connu. Que ce ne soit pas ton partage. Reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du retour. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le matin du retour. C'est le matin de la reconnexion du retour. Toi, l'enfant qui était perdu, égaré, tu reviens aujourd'hui. Tu choisis de revenir aujourd'hui. Man, les bros, tu as fait église après église. Tu as fait cours de théologie, mais tu ne le connais pas. Reviens, reviens, reviens. Apprends à le connaître, reviens. Tu as fait des cours de théologie, mais tu ne le connais pas. Tu as fait des cours bibliques, mais tu ne le connais toujours pas. Reviens, apprends à le connaître. Abaratoba, Rikandabara, Baba, Bre, Mama, Mama, c'est le Bakasia, le Korababa, Sitare. Il faut revenir aujourd'hui. C'est le jour du retour. Manteteko, l'abrasse Kata dans le cœur de ton cœur. Dieu te ramène à lui. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il te ramène à lui. Il te ramène. C'est sa main qui te tient, qui te ramène. Oh, Ribaka, que toute main satanique qui veut retenir cette âme pour l'empêcher de se donner totalement à Dieu soit coupée. Soit coupée. Soit coupée. Ce lien satanique qui t'empêche de te tourner vers Dieu par le sang de Jésus, il est coupé. Il est coupé. Il est coupé. Ce lien démoniaque qui t'empêche de te tourner totalement vers Dieu est brisé ce matin dans le nom de Jésus. Dieu te ramène ce matin. Il te rend libre ce matin. Il détache ton cœur ce matin pour t'attacher à lui ce matin. Ce matin, protakia, c'est Kora Santa Katari Baba. Emanabroska Malebroska. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Ibarando bobo shakata rababa. Malebro shakarababa sete. Iguarababa rima sete kande. Allez répéter cette sainte prière après moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, aujourd'hui, par ta grâce, tu me fais la grâce de me recentrer sur ton cœur, sur ton cœur, sur ta personne. Non pas sur les bénédictions, mais sur ton cœur.
Je veux ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je te rends grâce de ce que tu me fais la grâce de rechercher l'intimité. L'intimité, la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Amen. Nous pouvons nous acclamer sa présence, honorer sa présence. On a bientôt terminé. Nous aimons ta présence, Kakurababaseta. Allons terminer dans quelques instants. Nous aimons ta présence. Tu nous ramènes à toi, Abba, Papa. Prekosikabata. Nous aimons ta présence. Voilà le cri d'un adorateur, d'un vrai adorateur. Nous aimons ta présence. C'est-à-dire, nous aimons ta face, nous aimons ton cœur, ta personne. Ma crescente, nous aimons ta présence. Les corasambande, les pro aussi, car nous aimons ta présence. Une dernière fois, de tout mon cœur, nous aimons ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu ce matin qui veut honorer Dieu? Qui veut acclamer Dieu? Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, acclame Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu ce matin, un toucher, un rafraîchissement, une prise de conscience, nous voulons acclamer Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est lui qui fait les œuvres du Père en nous. Loué, béni soit le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Le Père est notre Papa. Béni soit Dieu. Quelqu'un dit un bon Amen.